Cette chapelle qui est effectivement une œuvre d'art, je ne sais pas si vous connaissez tous son histoire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste quelques mots parce que c'est intéressant. Elle a été construite pendant la première moitié du XVIIIe siècle, on va dire pendant Louis XV. Et elle a été construite, voulue, par un ordre religieux qui était les oratoriens. Et les oratoriens avaient choisi l'un de leurs membres pour être le maître d'œuvre. Et ce religieux est vite devenu l'homme considéré comme le roi des antiquineurs des états pontificaux. Il a usé énormément d'architectes et au moins l'un des résultats de son mauvais caractère, du fait qu'il ait demandé à énormément d'architectes d'intervenir, est que cet endroit est assez, et même très original. Juste quelques exemples. Vous voyez qu'en haut, il s'agit d'une voûte elliptique. Des chapelles avec une voûte en ovale comme celle-là, il y en a très peu en France. Il y a des choses étonnantes. Par exemple, vous regardez les plafonds des quatre chapelles latérales, il n'y en a pas deux pareils. Des choses très bizarres comme là-haut, vous voyez quelque chose qui dépasse. C'est une main. Alors cette main, on ne sait pas très bien ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'il s'agit de la main de l'évêque qui demande à ce qu'on lui embrasse? Ou est-ce que c'est une main qui laisse tomber l'aumône à nous, pauvres mortels, qui en avons besoin? Je ne sais pas. Paco, je ne sais pas si tu as l'explication. Ça fait partie des mystères de cette chapelle. Cette chapelle qui, ici, est elliptique, mais de l'extérieur, qui est rectangulaire. On se retrouve effectivement à l'initiative d'une équipe de spectateurs d'art, pas d'artistes. Et nous nous définissons comme spectateurs d'art parce que quand on regarde une œuvre d'art, en tout cas qui pour nous est une œuvre d'art, elle nous parle. Et donc, on est, bien que n'étant pas artistes, nous sommes interpellés par ce mystère. Comment un objet muet peut nous parler? Pour essayer de comprendre ce mystère, on a demandé à un certain nombre d'artistes de nous aider à y réfléchir. On a choisi une dizaine d'artistes, tous des grands artistes, dans des domaines différents. Ils sont tous présents ici, je vous les présenterai tout à l'heure. Et pour essayer de comprendre comment font-ils pour que de la matière qui passe entre leurs mains soit une matière qui parle. Comment est-ce qu'on peut expliquer que une matière première qui peut être de l'argile, de la peinture, mais ça peut être aussi des notes de musique, ça peut être des mots pour le poète, comment se peut-il qu'une telle matière première puisse être dépassée, puisse être transcendée pour parler à notre esprit et finalement nous entraîner vers une forme d'élévation? Donc c'est l'objet de ces 10 jours de rencontres. Bon, vous avez vu des stèles bien ancrées dans la terre. C'est pas qu'elles soient ancrées, c'est qu'elles sont sur la terre comme nous on est sur la terre. On est... bon. Et puis les barques qui sont des barques nuages que j'ai essayé de... à qui j'ai donné cette espèce d'apesanteur justement, de légèreté, d'aspiration à échapper à cet ancrage terrien dans lequel on est. Et en fait, ça va un petit peu au-delà quand même, c'est-à-dire que les barques pour moi c'est essayer d'échapper au prêt-à-penser, au champ de bataille, à tout ce qui... aux violences qui sont sur Terre, à notre façon d'aujourd'hui, je trouve, de communiquer qui est extrêmement violente, enfin voilà. Et je voudrais dire que ces barques apportent de la nuance dans tout ça. Elles symbolisent évidemment la traversée. Alors on traverse la vie, on traverse les étapes, on traverse les problèmes, on traverse les deuils, on traverse les peines, on traverse... et on meurt. Donc de toute façon, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la mort est très présente
dans le travail que je fais. Les stèles, ça a toujours une connotation aussi, la stèle qui commémore quelqu'un. Ben, c'est la mémoire, le passage sur Terre, la préparation au passage ailleurs, les sortes d'échapper à ces contingences terrestres qui nous enferment dans beaucoup de stéréotypes et de choses un peu lourdes, je trouve. C'est la lourdeur, voilà. Je vis à Pernes-les-Fontaines et je travaille dans un grand atelier et je travaille toutes sortes de matières dans la sculpture, aussi bien des troncs énormes que des petits bijoux, puisque là je viens de créer aussi des bijoux en bronze. Je peins et je peins à l'encre de Chine. Je suis calligraphe, la calligraphie chinoise, j'ai un maître coréen. Le monde m'intéresse, et c'est pas le monde en France qui m'intéresse, c'est le monde partout qui m'intéresse. Et... Le travail que j'ai exposé ici, c'est le dernier travail de peinture que j'ai fait, et c'est un travail qui est venu après mon travail sur l'émigration et après un autre travail sur la métamorphose. Et c'est un travail évidemment sur l'homme, c'est un travail sans doute la transcendance de l'homme et ce qu'on peut y voir dans le mouvement de ces foules. C'est la comédie humaine, si on peut dire, mais c'est une vision, ma vision pour le moment, à un moment donné, ma vision de ces foules imaginaires, mais qui sont peut-être pas si imaginaires que ça, et qui vont vers et viennent d'eux. Et à travers ça, il y a beaucoup de lumière. Et j'ai voulu que la lumière sorte du tableau et traverse même ces personnages. On imagine qu'aujourd'hui, on est dans un monde assez turbulent, assez turbulé, assez bousculé dans tous les sens. Et j'ai voulu peut-être exprimer ce que l'humain était en ce moment en train de vivre. Alors la transcendance, pour moi, j'ai l'impression de prier quand je peins ou quand je fais des créations. Donc pour moi, c'est difficile de parler de la transcendance parce que c'est mon propre travail depuis toujours. Et c'est pas une histoire philosophique, c'est une histoire de vie tout simplement. Et je ne peux pas vivre si je ne peins pas, je respire pour ça, c'est ma vie complète depuis que je suis très très jeune. Je m'appelle Jamila Hanafi, je suis artiste plasticienne. C'est un travail sur le tracé, sur l'espace, le volume. Donc ce sont des dessins qui sont en fait des dessins préparatoires et qui vont m'aider à concevoir et à mettre en volume des sculptures. Mais ça renvoie quand même à ce que j'ai pu faire dans le passé. J'ai une formation de tailleur de pierre, donc ces lieux me parlent. J'ai souvent exposé dans des lieux sacrés ou désacralisés. Ça m'intéressait de présenter ça un peu en hommage aux bâtisseurs. Des gens qui ont construit, je sais ce que c'est que tailler un bloc de pierre, et les carrir ou s'y face. Donc j'étais contente de présenter ces dessins avec qui avaient une gamme colorée proche de l'espace, si on regarde, hein, les marbres roses, la pierre un peu ocre jaune, le dallage noir et blanc, donc on retrouve toutes ces teintes. Oui, pour les dessins, ben le tracé qui s'efface, qui revient, je procède de cette façon. Donc c'est des lignes, c'est de la géométrie pure. C'est de la géométrie, des cercles, des lignes, des parallélépipèdes. Donc là, pour le grand dessin, ce sont des journaux, du papier journal, que j'ai des journaux entiers, donc ouverts et assemblés les uns après les autres. Ça fait partie d'une série, donc il y en a plusieurs. Ce sont des dessins de grande dimension, au minimum 2,50 m, 1,80 m en haut. J'ai procédé avec des techniques de lavis et de tracé au fusain, un peu comme les dessins de plans qu'on a et qui accompagnent les constructions. Voilà. Après, concernant la transcendance, quand même, j'ai un peu réfléchi à ça, c'est
c'est complexe. Enfin, pour moi, c'est l'idée de partir de la matière simplement et d'évoluer, d'avancer, de m'élever, je ne sais pas, vers quelque chose de qui va me surprendre et qui va peut-être, enfin, qui est de l'ordre du mystère. J'ai fait l'ESSAG, l'École supérieure d'art graphique, avec un master d'architecture intérieure. L'équilibre, le trait, la composition, et surtout le mouvement, la couleur, et la matière avec les textures. Ce que j'essaye, c'est d'une idée dans la tête, mais j'essaye de transposer ce que l'on ressent. On est heureux avec un pinceau à la main, de l'eau, des pigments, c'est un défi d'obtenir un tableau. La transcendance pour moi c'était le trans, l'élévation, aller toujours plus haut, et je l'ai réalisé par le mouvement, pour moi c'était le mouvement. Et surtout du sombre vers la lumière. Et je l'ai représenté dans ces deux tableaux-là, avec la matérialité de la matière, et qui vont vers la lumière, vers les blancs, et qui représentent pour moi l'invisible. La couleur, donc j'ai représenté les feux, le buisson ardent, hein, avec ces feux colorés, et toujours cette matière, cette matérialité qui part du sol et qui va toujours vers cette lumière. Et là, c'est particulier, c'est un travail sur l'allégorie de la caverne de Platon. Je suis partie des prisonniers, qui, en fait, c'est l'enfermement, enfin, c'est la condition humaine qui m'intéressait, avec l'enfermement dans cette caverne. On voit, vous verrez de près, comme des prisonniers qui sont enfermés dans leur certitude. En fait, c'est le monde de l'illusion. Ils sont tentés, est-ce qu'ils vont aller vers cette lumière, vers ce feu? Et bon, il faut en sortir de cette caverne, parce que là-haut, il y a la connaissance. Donc, je m'appelle Stéphane Krajic, je suis sculpteur. Ça fait une trentaine d'années que je fais de la sculpture, plus précisément, en fait, je fais du modelage. Un petit mot sur mes origines, parce que je pense que mon travail, bien sûr, s'inspire de qui je suis. Et donc moi, mon père est slovaque, hein, parce que ma mère est franco-québécoise. Donc, très jeune, en fait, je suis né aux États-Unis et je suis arrivé en France à 3 ans. Et puis, moi-même, je suis parti à l'étranger à nouveau à 18 ans. Il y a un lien, je pense, avec aller au-delà, hein, c'est un peu voilà, dans la transcendance, ça. Mes thèmes vraiment de prédilection, ce que j'aime vraiment explorer, c'est à quel moment l'humain s'initie ou passe une initiation. Et mes sculptures sont toutes en quête de ça. Elles sont toutes en quête d'initiation, de passage, de transformation. Par exemple, il y a une sculpture que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Le voyage de l'enfant intérieur ». Et j'ai créé cette sculpture à un moment donné où je me suis senti réconcilié avec mon propre enfant intérieur. C'est que pour moi, l'enfant intérieur représente la joie, la créativité, la curiosité, l'élan vers les autres. Et moi, j'avais besoin de le faire revenir, donc il n'était pas parti. Il faut lui laisser de la place à nouveau. Et c'est pour ça que j'ai fait cette sculpture, et c'est pour ça que j'appelle le voyage de l'enfant intérieur, c'est que tout d'un coup, cet homme, il est réconcilié avec son enfant intérieur et il est entier, il est à nouveau entier. Peut-être aussi il y a un élément de transcendance, hein, parce que quand on a de l'imagination, de la curiosité et qu'on est dans l'exploration, il n'y a pas de limite. Une sculpture qui s'appelle Devant Dieu, qui est un homme qui est sur
une roche, on va dire, avec. Il est assis sur son, sur sa jambe, sur son talon gauche, puis il a une main tendue comme ça, devant. Et la même chose avec cet homme qui est devant Dieu, et bien là, c'est le rapport avec la spiritualité, peut-être plus qu'avec l'amour, même si on pourrait mettre. Il y a du lien avec les deux. Et il y a une autre sculpture qui s'appelle la bestia. Et donc, cette bête qui est à genoux, hein, c'est juste avant le moment où, en fait, elle se trouve tellement horrible et monstrueuse qu'elle ne peut pas accepter qu'une autre personne l'aime. Et pourtant, il y a cette femme qui l'aime. Et là, il en peut plus de, pas d'être un monstre, il en peut plus de ne pas pouvoir s'ouvrir à l'émotion qui vit en lui. Et l'émotion qui vit en lui, c'est l'amour. Et là, l'espoir, c'est, tout le monde la regarde et voit du désespoir. Et pourtant, il y a de l'espoir dans cette sculpture, même si c'est un homme qui est complètement accablé. Et en fait, l'espoir, elle est dans cette main qui est en train de s'ouvrir. Je leur dis, mais même dans les nuits les plus noires, il y a toujours une petite flamme qui brille. Et je mets ces trois sculptures en lien parce que c'est juste avant le moment clé d'une transformation. Et ils se rendent compte que, en fait, non, c'est pas ce chemin-là qu'ils doivent suivre s'ils ont envie de passer vers autre chose. Et en fait, ces trois hommes, ces trois sculptures, elles vont explorer la vulnérabilité de l'homme et l'abandon. On peut appeler ça aussi le lâcher-prise. Je travaille le chaos depuis une quinzaine d'années en peinture et je travaille sur des plaques d'après. Donc le premier tableau, il a été fait début de l'année dernière, avant le confinement, et je représente, mon thème c'était l'homme dans le chaos, je représente l'homme qui est dans les ténèbres, c'est assez noir, il réfléchit, on sent qu'il y a son intime, mais on ne voit pas, on voit une masse, mais on sent qu'à l'intérieur il se passe des choses qui sont un peu noires. Donc après je l'ai fait évoluer. Il est là dans un espace où il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, il y a un horizon. Et on sait que derrière l'horizon, il y a peut-être un espoir, il y a peut-être autre chose, on ne sait pas. Donc là, il réfléchit, il ne sait pas ce qui va se passer, etc. Et puis au moment du confinement, ça se passait dans le confinement, et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer sur cette problématique trop intime, trop forte, et il fallait que l'homme puisse respirer et aller vers un ailleurs. Donc le premier, je l'ai intitulé l'intime. Le deuxième, c'est le passage. Il y a l'horizon, on sent que l'homme commence à s'envoler vers un ailleurs, et ensuite, c'est l'invisible. Donc l'homme est complètement déstructuré, l'horizon disparaît plus ou moins, et il est dans un univers, vous voyez, doré, tout ça, il est dans un ailleurs, dans une certaine clarté. Et ensuite, il y a deux autres tableaux, l'horizon a totalement disparu, et là, il est dans un autre monde, il est dans le sacré. Donc je travaille, je vous l'ai dit, sur des plaques d'imprimerie, avec de l'encre d'imprimerie. Les personnages, pas ceux-là, mais ceux-là, ils sont faits en un seul geste. Donc je travaille mes fonds. Ils sont faits avec une dizaine de couches de peinture. Et ensuite, je peux rester 2-3 jours, voire peut-être un mois, avant d'attaquer la peinture, avant d'attaquer l'homme. Il faut que je rentre dans le tableau. Et un matin, je vais mettre des couleurs. Et en un seul geste, je vais faire naître l'homme. Voilà. Mais ça demande une certaine préparation. Psychique, il faut que je rentre dans quelque chose de fort qui est en moi et que je dois exprimer très rapidement. Il est très, je veux dire, branché de spiritualité, c'est-à-dire qu'il sort plus très rarement de ce contexte, donc il représente très très souvent le Christ. Donc voilà, ça c'est une œuvre qu'il a réalisée il y a pas mal d'années. Moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit que si je devais un jour arriver à quelque chose, j'aimerais arriver à ça. Donc, il est sculpteur forgeron, il peint beaucoup, il dessine beaucoup, c'est un artiste de génie. Il est passé par les Beaux-Arts de Valence un petit moment, après il a fait les Beaux-Arts à Paris, et là il continue
à forger quotidiennement, à dessiner, à peindre. Je m'appelle Corinne Mariotte, je suis artiste. Je fais de la peinture, mais aussi du dessin, de la gravure. En fait, je collecte des images autour de moi, dans le monde qui m'entoure, donc des choses observées que je dessine, aussi dans les tableaux, parce que j'aime beaucoup l'art, dans les tableaux, dans les sculptures anciennes, et aussi dans les images de presse, dans les images d'actualité. Et puis tout ça, ça se bouillonne un peu ensemble et ça finit par, dans mon esprit en tout cas, dans mon imaginaire, ça finit par fonctionner ensemble. Et il me semble que cette rencontre d'éléments qui viennent d'univers différents peut être porteuse de signification. Alors les rencontres, elles sont parfois complètement homogènes comme dans les peintures, mais elles sont parfois aussi hétérogènes comme dans cette série d'aquarelles. Donc une série d'aquarelles de ciel, une par jour, tous les jours au moment du lever du soleil, en hiver, sur laquelle viennent se superposer des dessins de mains en noir et blanc, en noir, en fait des tracés noirs sur de la soie. Donc déjà il y a la rencontre aussi entre le papier et la soie, qui ont quelque chose à voir parce que tout ça c'est de la fibre, ce sont des supports à peindre aussi. Et ça m'a permis de venir plaquer en fait le dessin des mains sur des représentations de ciel. Les mains, c'est une sorte de raccourci pour l'humain. Ces mains qui sont un peu caractéristiques de notre espèce quelque part et qui nous permettent, homo sapiens, homo habilis, tout ça, de faire plein de choses, le meilleur et le pire. Et en particulier de chercher peut-être à atteindre là ben, le ciel, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse, plus grand que nous et qu'on peut atteindre peut-être par l'art, peut-être par les croyances, peut-être par la poésie, voilà. Du coup j'ai rajouté un tableau, c'est celui qui est là, il s'appelle Cascade Céleste. Donc céleste, alors on est toujours dans le ciel, donc il s'agit en fait d'un emboîtement de ciel, plusieurs ciels, à des moments et des heures différentes, des ciels vus, et ces ciels sont emboîtés les uns dans les autres à travers des découpes en forme d'ellipse. Et puis sur ce ciel, il y a des mains qu'on ne voit pas trop, qu'on voit quand on s'approche, qu'on voit quand on prête attention. Ce sont des mains que j'ai dessinées au pastel, blanc par-dessus, donc elles sont transparentes, à peine visibles. Et l'idée, c'est un peu la même que dans les aquarelles, c'est-à-dire manifester ce désir d'atteindre quelque chose qui nous dépasse. Donc j'ai commencé évidemment par ma date de naissance et j'ai tamponné tous les jours de ma vie. Je me suis arrêté à la date anniversaire de cette année. C'est fait avec un tampon archivé, non pas un tampon dateur, c'est-à-dire que chaque date se transforme en nombre. Sur un tampon dateur, il y a les jours qui sont séparés des mois qui sont séparés de l'année. Là, chaque date devient un nom, donc une archive. Voilà, donc là, ici, j'ai toute ma vie. C'est une espèce de CV en taille réelle. On demande de déplacer une tour de gauche à droite, par exemple. Donc, ça a été inventé par un mathématicien, donc c'est une petite formule mathématique pour apprendre à manipuler. Donc la règle, c'est de toujours mettre un disque, on déplace les disques un par un, toujours mettre un disque petit sur un plus grand. L'inverse n'est pas autorisé. Donc pour déplacer cette tour ici, je vais mettre exactement 8 coups. Voilà, donc je compte le premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En partant de ce principe, si je rajoute un disque, ça ne va pas être 9 ou 10 coups, mais je vais multiplier par 2, donc on va passer à 16 coups, puis 32, puis 64. Et ce qui m'intéressait, c'était de représenter sous forme de jeu une vie humaine. Donc là, j'ai construit des tours de Hanoï en version un petit peu plus importante, et j'ai mis 32 disques.
Alors, à votre avis, il faut combien de temps pour arriver à résoudre ce jeu ? On était arrêté à 31 disques et on arrivait à 68 ans. Alors, 68 ans à raison d'un coup par seconde, hein, en le faisant jour et nuit, évidemment. Donc, évidemment qu'on ne va pas le faire. Oui. Donc, il faudrait 68 ans. 68 ans, ce n'était pas tout à fait une vie humaine, l'espérance de vie humaine. Du coup, j'ai rajouté un disque, mais de 68, ben, on passe au double, donc 136 ans. Donc, à raison d'un coup par seconde, il faudrait 136 ans. Donc, je l'ai installé là-dessus, de façon à ce que ça puisse osciller pour montrer la fragilité de la vie. Voilà. Donc c'est un jeu, mais c'est une vie humaine sous forme de jeu. La mouche. Pourquoi la mouche? Eh bien parce que j'avais lu quelque chose qui m'avait incroyablement choqué, en fait, quand Pierrot m'a raconté qu'on allait travailler là. Figurez-vous que la mouche a 250 millions d'années. Elle était déjà là sur Terre. Et l'homme n'a que 3 millions d'années. Imaginez ce que je me suis dit moi dans ma tête en disant « En fait, la mouche, elle est même par-dessus le concept même de la religion, par-dessus le concept même de l'Église. » Sincèrement, j'ai commencé à travailler la mouche pour ça. C'est vrai qu'en fait, elle existe dans l'histoire de l'art, elle est beaucoup de fois représentée dans des tableaux du Moyen-Âge et tout ça. Elle représente toujours le mal, les déplaces, les maladies. Elle représente toujours le démon, le diable, le mal. Mais moi, là, j'avais envie de la mettre surtout comme une manière d'être en dessus de ça. Donc, je trouvais ça intéressant de travailler sur la mouche. En plus, je trouve ça drôle. C'est très rigolo. Bien sûr, ici, vous voyez la mouche Concorde, le fleuron de l'industrie française, décoller comme ça, partez sur New York. Là, le cri de Munch. Donc, je me suis dit, bien sûr, les mouches sont au-dessus même du concept de l'histoire. Et pourquoi pas au-dessus même du concept de l'histoire de l'art. Je trouve que c'est... Ici, il s'agit de Simonetta, la Vénus de Botticelli. Ici, c'est la négresse de Carbo, bien évidemment. C'est rigolo aussi de remettre du carton qu'on trouve dans la rue dans un lieu de culte. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça lui donne une dimension absolument artistique. Et je trouve que c'est drôle. Parce que ça, on le met dans une poubelle, c'est une poubelle. Et ça, on le met là, et c'est beau. Et pour les taureaux, c'est autre chose. Les taureaux, c'est parce qu'en fait, bon, moi, je suis espagnol d'origine. Donc, en fait, mes parents étaient espagnols, mais moi, je suis né sur le territoire français. Et en même temps, le taureau, pour moi, c'était mon grand-père, donc, qui dessinait, qui m'a enseigné à dessiner. La première relation que j'ai eue avec la mort, finalement, ça a été un taureau de 500 kilos qui est rentré dans une petite place de village, comme ça, qui est vraiment pas plus grand que la superficie, là, à la limite entière, de la chapelle, et donc vous imaginez sans terre au sol, bon les taureaux glissent, bon les mecs ils payent les taureaux donc ils sont très chers, et donc ceux qui y vont là-bas c'est les mecs qui veulent être toreros, enfin bon terrible, terrible, donc il est tué malement, enfin bon, le fait est qu'il est tombé devant nous, mort, le sang a commencé à se déverser sur le sol et des mouches sont venues comme ça complètement remplir l'espace en s'en alimentant. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le lien avec le taureau et le loup, je trouvais ça absolument, voilà. Est-ce que vous faites des croquis avant ? Je dessine, j'efface, je retrace, j'efface, jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose. Pourquoi la plupart du temps vous utilisez beaucoup de bleu ? Parce qu'il y a du ciel. Le ciel est-il bleu ? Les mains, parce que il me semble que nous, les humains, on se définit beaucoup par nos mains préhensibles, capables de faire des choses extrêmement fines et aussi capables de la plus grande brutalité. S'il n'y avait pas eu de confinement, je n'aurais pas eu cette suite-là, je n'aurais pas déstructuré l'homme. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'exprimer quelque chose sur un tableau. Par exemple, l'artiste peut avoir de la haine, de la tristesse ou quoi. Et la personne qui va le regarder peut ressentir autre chose, des émotions ses propres à soi-même. Par exemple, je ne sais pas, il peut dessiner un camion parce qu'il a eu un accident avec un camion. Et
Et la personne qui va regarder le tableau ne va pas comprendre. Tu vas complètement répondre, ton exemple de camion, c'est exactement ça. Alors nous, en fait, on a eu l'idée de, si on a déjà le choix pour un tableau, ce serait de rien faire, de le laisser blanc, pour comme ça, on ait le choix de dessiner ce qu'on veut pour la personne qui voit le tableau. Comme ça, elle s'imagine elle-même son dessin et son chef-d'œuvre. Enfin, je sais que c'est un peu bizarre à dire, mais on a cette idée. Et on s'est dit que rien, ça montre aussi l'infini, la liberté de dessiner ce qu'on veut, dessiner ou pas dessiner. Voilà. Je voulais simplement répondre au groupe. Vous voyez que votre proposition nous a tous laissés en blanc. Donc, bravo. Super. On a eu comme idée de faire un tableau tout noir qui reflète la solitude. Pour nous, il faut mettre de l'émotion dans une œuvre pour que les gens ils soient vachement touchés. Et il faut aussi être passionné. Passionné. Après, j'en ai pas trop d'autres idées, mais je pense que c'est le principal. Je crois que la genèse de ce projet se doit à différents facteurs. Moi, je suis ici à Santa Agricole depuis déjà 10 ans, à peu près. Depuis le début, j'ai remarqué que les gens s'arrêtent profondément et beaucoup de temps à regarder les œuvres d'art. Et du coup, les gens, quand ils entrent, ils sont impactés par les œuvres d'art, les peintures, les sculptures, l'église même. Mais après, entendre quelqu'un qui leur parle du sens de l'œuvre, c'est toujours une grâce très grande. On sent qu'il y a beaucoup de personnes que ça leur ouvre à une nouvelle dimension de leur vie, même par rapport à la transcendance, par rapport à Dieu. Voilà. Et dans cet esprit, est née une réflexion en groupe sur toute la place de la beauté, la place de l'art dans l'Église. Il y a le pape Jean-Paul II a fait une lettre aux artistes très 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 belle. Il y a une réflexion très profonde, toujours à exister, entre le mystère du divin et les manifestations artistiques qui quelque part nous ramènent, la beauté qui ouvre l'invisible. Alors, avec ces personnes, en faisant un chemin d'années, la sensibilité a grandi avec l'idée de comment pouvoir ouvrir au public, les spectateurs des œuvres d'art, le cœur des artistes. Et ces artistes, ils veulent faire passer quelque chose. Les spectateurs ressentent des choses, des émotions très profondes qui ramènent très loin. Mais en même temps, on n'a pas toujours une facilité de savoir ce pont entre l'œuvre d'art et celui qui l'a fait et celui qui la voit. Alors, à niveau concret, c'est Jean-François Vigeon qui lui avait cette idée profondément dans son cœur et qui, en parlant comme ça, est à Paris. Est-ce qu'il ne serait pas possible de rapprocher des artistes nouveaux, peut-être pas des personnes hyper déjà connues partout, mais des artistes qui travaillent dans l'art, effectivement, et que et même puissent rendre témoignage du sens de leur œuvre à un public qui s'intéresse et à l'œuvre et aussi au sens que l'artiste lui a donné. On a dit qu'on pouvait, dans cette église de l'Oratoire, cette chapelle de l'Oratoire, qui est très belle, pouvoir initier, faire une première expérience. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans les échos, tant pour les jeunes, il y a des jeunes lycéens qui se sont approchés, et ça fait une vraie école pour eux, parce qu'on découvre, ils étaient émerveillés de voir les œuvres, de pouvoir entendre l'artiste, les gestes créateurs, d'où ça jaillit. Il y en a des échos très beaux des jeunes qui jamais seraient entrés peut-être dans une exposition et qui aujourd'hui sont déjà habités par ces étincelles de l'art qui étaient déjà dans leur cœur mais qui avaient besoin de que quelqu'un leur en parle. Non? Voilà, donc par rapport à la possible suite de ce projet, visiblement l'expérience était expérimentale. C'est la première fois pour voir ce que ça donne. Par exemple, je sais que l'idée de travailler avec les lycéens, c'était d'Isabel Velasco, de l'équipe, et elle était vraiment travaillée par cette idée. Et c'était impressionnant parce qu'immédiatement, quand on l'a fait, d'une façon expérimentale aussi, le retour a été très beau.
et surtout spécifique dans cette exposition, c'est comment la transcendance, comment Dieu rejoint le cœur à travers les œuvres d'art, à travers l'artiste et à travers l'œuvre. Non? Parce qu'on sentait dans tous ces jeunes, et même les adultes qui passent dans l'exposition, que l'artiste pose des gestes, ça ouvre le cœur, mais ça ouvre le cœur vraiment à l'invisible, il y a des dimensions beaucoup plus profondes de la vie, non? Que dans notre société athée, souvent on désire, mais on passe à côté, et que du coup, en pouvant formuler, et ça ouvre des portes dans le cœur des gens qui sont très grandes. Donc je crois que cela peut avoir un futur, on ne sait pas comment, mais en tout cas, une formule comme celle que nous avons faite peut avoir, avec beaucoup plus d'ajustement, peut-être à fur et à mesure que ça avance, non, peut avoir beaucoup d'avenir. Tu vois un tableau et tu dis ah, ça peut parler de ça, mais c'est pas l'expérience de quelque chose de transcendant en toi, c'est autre chose. Et ce ressenti de transcendance en soi intérieur et tout, je crois que c'est rare, c'est très rare, et c'est quelque chose qui va te surprendre. Et je vois ici, je peux comprendre que les artistes aient travaillé sur la transcendance. Je peux le comprendre un peu mieux parce que j'ai rencontré les artistes. Mais honnêtement, je serais arrivée seule sans rien savoir et tout ça, sans rien connaître. C'est compliqué, quoi, de ressentir le transcendant en soi. Ça me fait penser à une expression, enfin, je ne sais pas si vous l'entendez autour de vous, mais une expression assez populaire qui dit « Oh là là, mais ça, ce n'est pas transcendant. Il n'y a rien de transcendant dans ce que tu as fait ou de ce que je vois. » ou ça. Et donc, ça renvoie bien à quelque chose qui doit quand même avoir un côté un peu extraordinaire, quand même. Quelque chose d'un peu sublimé. Pour moi, la transcendance, c'est un ressenti, c'est quelque chose qui me met en avant, qui me pousse à chercher pour moi-même quelque chose que je ne connais pas, mais qui me touche, c'est-à-dire qui me concerne. Je regarde et je suis émue ou pas de ce tableau. Parce que le titre qu'on a pris pour cette semaine n'est pas anodin. Oui. On a pris artiste et transcendance. Autrement dit, je suis tout à fait d'accord quand j'ai entendu l'artiste de dire non, on ne se prend pas la tête, on est là pour créer quelque chose. On n'était pas là non plus pour diverger sur différents aspects de transcendance. On était là pour associer deux choses, artiste et transcendance. Et cette association, pour nous, est très importante. C'est-à-dire que, la dernière fois, j'avais parlé du mot. Quand on rentre ici, le but, quand on rentre dans cet oratoire, si vous voulez, c'est d'être saisi à cause des artistes par le mot. Tout à l'heure, il était dit, la transcendance nous tient, j'ai envie de dire, nous
Non, ici, ce qu'on a voulu, c'est que le beau nous tire à la transcendance. Ces deux mots, artiste et transcendance, sont trois mêmes poètes. Dans notre esprit, séparés, mais complètement liés. Autrement dit, la beauté nous interroge, et il faut garder dans l'esprit ces deux aspects de ce qui est beau et de cette beauté qui peut nous transcender, et pas le contraire. Ce que j'ai constaté en parlant avec quelques artistes, c'est que je ne voyais pas la même chose que la personne a vécue. C'est intéressant, finalement, que la transcendance que la personne a vue, moi je l'ai vue autrement. Donc c'est bien une question aussi très personnelle de ce qu'on voit dans l'œuvre de l'artiste. Et puis je me pose une question, est-ce qu'il y a une relation, parce que vraiment je me pose une question, entre transcendance et inspiration? Est-ce que c'est pas ça, finalement, la transcendance? C'est l'inspiration que l'artiste a. Je trouve que finalement, votre intention à travers cette exposition a été accomplie, c'est-à-dire celle de réinterroger le beau, à travers, justement, en introduisant des œuvres d'artistes, des œuvres laïques, dans cet endroit magnifique qui est la chapelle de l'Oratoire, et de faire coexister deux sortes de beauté, en tout cas de susciter peut-être une nouvelle émotion esthétique quand on rentre dans cet endroit. Trois lettres. Quand j'ai vu ce mot sur la carte, quand j'ai vu le mot T sur la carte, j'ai dit j'aime le T. Et avec amour, j'ai appelé le serveur, j'ai commandé, j'ai attendu et j'ai pensé. J'ai pensé, je vais avoir un thé à moi. Quand le serveur vient avec la tasse de thé, je me dis enfin je vais rencontrer mon thé. Et le serveur me sert une tasse de thé sans thé. Et je me dis, il vaut mieux une tasse sans thé qu'un thé sans tasse. Serveur, le serveur a l'air très occupé. Le serveur a l'air de penser à des choses, pas à moi. Il n'a pas l'air de se préparer à me servir un autre thé. C'est gênant, je me dis, c'est gênant. Je ne vais pas le déranger. Vaccination obligatoire ou en est l'hôpital? L'industrie attire l'argent, mais suscite trop peu de vocations. Serveur,
Serveur, s'il vous plaît, pourriez-vous jouer le serveur pendant une dizaine de secondes? Serveur? Oui, vous? Ah, oui, serveur! J'ai quelque chose à vous dire, mais venez donc! D'important, la tasse et le thé. Merci. Bravo.